t'as écouté la dernière émission là, de La Vige là, sur Inter, enfin, elle était énorme cette émission. Vraiment, c'était. Ouais, mais attends, c'est pas possible. Oh là là, non, c'est. Mais c'est lui, mais c'est Laurent Lavige. C'est Laurent Lavige de France Inter. Wow. Bonjour. J'ai un petit souci, je suis tombé en panne à quelques kilomètres et je sais pas où je suis et je cherche quelqu'un pour m'emmener un garagiste. C'est marrant parce que justement, j'étais en train d'écouter, d'écouter votre émission. Ah oui, d'accord. Bon, je sais pas si ça vous tente, mais je m'en vais à un festival, le Murmure du Son. C'est un festival qui se passe en centre-ville chez nous le 6 juillet. À eux. Cette année, on reçoit notamment Étienne de Crécy. Ah, Étienne de Crécy, je connais très très bien cet artiste. C'est un très très bon DJ producteur. Il est né à Lyon, il a grandi à Marseille. Et figurez-vous que pour finir sa puberté, il est monté à Versailles. Comme gros traumatisme, il n'y a pas mieux. Et c'est là, à Versailles, qu'il a rencontré tous les futurs membres de la French Touch, Alex Goffer ou tous les deux mercenaires du groupe R. C'est un très très bon DJ et sur scène, il est très très intéressant parce que c'est un très beau DJ élégant. Et cette année, on reçoit l'Escope aussi à eux. Là. Ah oui, d'accord, oui, j'adore l'Escope. C'est pour moi l'une des vraies révélations de la chanson française de 2012-2013. C'est vraiment une très très belle écriture. C'est une new wave froide, syncopée, avec un vrai univers à la Étienne Dao. Surtout les textes, moi j'adore, c'est vraiment un très très bel artiste. Ça fait très longtemps que j'avais pas vibré sur un artiste de chanteur français. Mais, je te prends en stop et puis voilà. Moi je te le dis, lâche ton français. On va à eux, ça fait une heure qu'on tourne. Ouais, j'aime bien ta compagnie, hein, mais là, à mon avis, t'as coulé une bière, là, mon gars. Hein. On a aussi Balthazar. Le groupe ? Ouais. Dans ton festival ? Le festival, ouais. Alors ça, c'est la grande classe. C'est le groupe, la révélation, le groupe phare de la scène belge. Il rentre, je crois, dans les 100 plus gros vendeurs en France de disques. Et puis surtout, c'est vraiment l'un des plus gros vendeurs en Belgique. C'est un groupe à suivre sur scène. Énorme. Énorme comme ta bielle, là, que tu viens de couler. Et là, je pense qu'on est mal barré. Allô ? Allô ? Ah, dépanneuse. Ah, que... 2 heures. De voiture, 2 heures. On attend, c'est pas... Du coup... À eux. Je suis à... Eux, en Normandie. À eux. Eux. Pêchez-vous. Ça fait 10 fois que je suis avec un buveur de Havane et c'est pas possible. Et tu connais Granville ? La ville ? Non, le groupe Ah ouais, 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 on connaît très bien Granville. Ils sont de Caen. Petite pop sautillante, qu'on aime bien. Ça me fait penser à Lily Cube dans les années 90. En fait, t'as de quoi payer là ? J'ai rien du tout, j'ai pas un flèche. Eh patron, on peut vous parler ? En même temps, on voit la chose du bon côté. On a deux voitures en panne. On sait pas où dormir. On est pas mal. Bon, on a encore la planche à faire. Tu as le temps, on découvre un super coin. On est pas, oui, ça c'est le coin, il est super ici là. On a aussi Yann Wagner. Ah ouais ? Petit festival là, ouais. C'est un mec qui mixe super bien, un super beau DJ, producteur. Il fait une sorte d'électro hypnotique. Parmi tous les DJ, il chante et il a une voix grave, très profonde, sourde. Il fait penser parfois, tu sais à qui ? À Depeche Mode, Debian, la voix de Debian. C'est quand le festival ? Le 6 juillet. Tu ressembles un peu à Debian. Ah ouais ? Ouais, un peu hollandais, voilà. Ok, on va essayer de se barrer parce qu'il n'est pas là, le patron là. Il est là ou pas ? Bizarre, les gens sont bizarres ici. On est presque arrivé. Hein. Ouais. Tu sais, j'insiste, hein, mais faut vraiment que tu viennes au festival. Au festival. Ouais, t'inquiète, ouais. Je vais venir. Il y a Schooly School aussi, tu sais. Les Belges. Ça, j'aime bien Schooly School. Là aussi, c'est vraiment un groupe sur scène qui est énorme, avec beaucoup d'énergie. Ça sautille, ça pète. Eux, c'est par là. Par là, oui. Bon, moi, ouais, je te l'avais dit que c'était par là. Ouais, on y arrive, on y arrive. Smokey Joe and the Kid aussi, ouais. Un duo de DJ qui va bien. Et en plus local, on a les Force Hackers, des petits jeunes. On tourne là parce que là. Tu vois, je t'avais dit qu'on y arriverait. Ah, tu vois, Laurent, on est bien là, non ? Ah, ouais, on est bien, ouais. Rappelle-moi la date de ton festival là.
C'est le 6 et le 7 juillet. Et j'ai oublié de te dire aussi, il y a l'orchestre de l'Opéra de Rouen qui joue le dimanche en classique. Ça s'appelle Murmure ? Le Murmure du son. Le festival de E, ouais. Le Murmure du son. À E, en Normandie, là où il ne pleut jamais, venez sans voiture, mais je pense que moi je vais rester là. Je suis bien installé, j'ai la pelouse, j'ai mon chauffeur, t'appelles ? Antoine. Salut Antoine, moi c'est Laurent. Salut Laurent. Allez, musique !